Eh bien salut à tous, c'est Ruben808, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Homcy 2. Et oui, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur ce jeu et en tout cas ça me fait super plaisir. Donc c'est le 8ème épisode et aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle map que un de mes abonnés justement a proposé et puis un mode bus aussi que l'un de mes chers abonnés aussi m'a proposé du coup. Donc je sais même plus si c'est le même ou si c'est un autre. Bref, j'espère qu'ils se reconnaîtra ou se reconnaîtront. Bref, donc je suis sur la PKM map qui est une map polonaise du coup qui est vraiment sympa. Je l'ai déjà testé avant cette vidéo et franchement il y a quelque chose vraiment. Il n'y a pas énormément de lignes mais il y a quand même quelque chose qui est très bien quoi. La map est bien réalisée du coup. Et puis le bus, donc je suis avec un pack de bus du coup. Et puis j'ai pris le plus gros bus que j'ai pu trouver dans ce pack justement. Donc c'est un Solaris Urbino 18 Mokki Voice Euro 6. Donc c'est un tout nouveau bus Euro 6, vous voyez. Donc il est... Bon, la couleur elle est toute blanche. Donc bon, moi j'ai pas pu changer, donc tant pis. Mais ça reste quand même un joli bus quoi. Qui reste fiable je suppose. Puisque c'est un Solaris et Solaris, ça reste quand même une bonne marque. Donc on va aller dans le bus, donc voici l'extérieur, vous l'avez vu je pense, donc l'avant, le côté, l'arrière aussi, voilà, et là on peut voir un Urbino 18, donc je pense, alors je sais pas si c'est un bus à gaz, non je pense pas, hein, mais bon, parce que là il y a le pot d'échappement sur le toit, bon je pense qu'il est quand même à gasoil, bref, donc c'est un bus articulé à 3 essieux, donc un grand bus du coup, donc là nous sommes à l'intérieur, donc qui est plutôt bien fait aussi, j'aime bien l'intérieur. Il n'y a pas trop de bugs concernant les billets, donc ça c'est cool parce qu'il y a eu des bus dans lesquels j'ai eu des bugs par rapport aux billets. Mais bon, là on peut avoir l'argent, puis là on a tous les billets, donc c'est parfait. On a tout plein de boutons partout, donc ça c'est génial. Donc voilà, rien de plus simple. Je vais augmenter la température du bus déjà pour après. Donc voilà, ici on monte tout au maximum. Voilà, il faudra que je m'y refasse au jeu par contre parce que ça fait un petit moment quand même que je n'y ai pas joué. Donc la dernière vidéo sur MC doit dater d'au moins 2 mois je pense, voilà. Donc là j'ai déjà pris la ligne, en fait on va faire la ligne 302 qui va jusqu'à Potache, Os, Sobie, Sobieskiedo. Voilà, donc bref, je sais pas lire, c'est du polonais, je ne sais pas le lire. Et du coup nous sommes à l'arrêt, comment ça s'appelle déjà? Nous sommes à l'arrêt... Bon, je sais même plus comment ça s'appelle. Tant pis, bref, nous sommes à l'arrêt en fait où il y a où toutes les lignes se rejoignent en fait. Et puis bah du coup on va faire la ligne 302. Bref, donc le départ il est à 12h45 il me semble. Oui, 12h45. Donc bon, c'est dans 40 minutes. Alors je vais avancer le temps. Ça serait bien. Donc je vais mettre pour allez, 43 vu qu'on part à 45. Voilà, c'est très bien. Donc maintenant je vais aller vite chercher les passagers. Et puis bah on va y aller. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti. Alors par contre, vu que l'arrêt est derrière, je dois reculer. Donc on va retirer le frein de parc. Très bien. Je vais mettre sous reculer et c'est parti. Donc bon, un petit inconvénient par rapport au bus quand même, c'est les rétroviseurs qui vont ralentir. Ça, c'est assez dommage. Bon, j'ai déjà eu ce genre de problème avec d'autres bus. Beaucoup de bus ont ce problème. Mais bon, tant pis, écoutez. Moi, ça me dérange pas plus que ça tant que je vois quelque chose. Donc attention. C'est un bus assez long, du coup il faudra faire gaffe. Alors par contre la ligne 302, où est-ce que c'est? Ouais, j'ai touché le trottoir, génial. La ligne 302 c'est... génial, c'est de l'autre côté quoi. Voilà, génial, donc je dois aller carrément de l'autre côté. Tant pis si je touche le trottoir, c'est pas la fin du monde. Allez, je peux pas y aller. Qu'est-ce qui bloque? Ok, bon, il y a des collisions. Du coup je vais avancer, oui je galère dès le début. C'est pas très propre ce que je fais, hein, mais bon, écoutez, on fait avec. Alors, vous entendez sûrement mon volant vibrer. C'est normal. Voilà, on recule. Allez, recule. Ah, mais en fait, c'est l'articulation qui est... Ouais, ok. Qui est beaucoup trop pliée. Je pense que c'est ça. Là, ça passe, je pense, de toute façon. Oui, ça passe. C'est parfait. Écoutez, je vais me remettre en vue intérieure, voilà. Alors je vais un petit peu monter sur le trottoir, sinon ça passera jamais là, l'autre côté. Très bien, c'est passé, c'est bon. Voilà, par contre j'ai encore mon problème de retour de force avec le volant. Voilà, c'est parfait, c'est bon, on peut y aller. Donc là, on va prendre les passagers. Donc oui, je galère dès le début, c'est génial. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à Homcy, du coup, j'essaie de m'y faire. Hein. Alors là, il veut un billet, alors je vais vite...
Lui faire acheter, donc il veut un long trajet. Voilà, de rien. Par contre, il parle en allemand quand même, hein, vu que le jeu et il est en allemand, donc c'est assez dommage. Il y avait une map que j'avais testée. C'était la... C'était quoi déjà? C'était la... une map tchèque, il me semble. Je sais plus comment elle s'appelait. Et puis justement, bah, les gens, ils parlaient en tchèque. Et c'était cool. Bon, je suis déjà en retard, c'est génial. Et du coup, ils parlaient tchèque, vu que c'était dans une map tchèque. Donc c'était génial, ils avaient fait exprès les voix pour la map. Là il n'y a pas quoi, c'est comme la Szczecin Project, ce sont des maps polonaises mais qu'il n'y a pas les gens qui parlent en polonais. Donc ça c'est dommage je trouve, mais bon écoutez c'est pas trop grave. Par contre m'en voulez pas, aujourd'hui je suis assez enrhumé, du coup il se peut que ma voix change, je ne sais pas, je ne suis pas écouté dans le micro. Ok il se plaint derrière. Je me suis pas écouté dans le micro, du coup je ne sais pas du tout si ma voix change énormément, mais bon il se peut qu'elle change, donc bon c'est parce que je suis enrhumé, j'ai le rhume des foins, c'est juste horrible. C'est une catastrophe quoi. Et du coup c'est assez dérangeant. J'ai même hésité à faire cette vidéo là aujourd'hui, parce que j'ai le time, mais voilà quoi, c'est assez risqué du fait que j'ai le nez bouché, j'éternue et tout ça. Bon j'ai pris quelques médocs quand même pour un petit peu faire passer tout ça. Ça va un petit peu mieux, mais bon, on verra si ça va bien se passer durant toute la vidéo. Allez, on va prendre les passagers. Il y a déjà une dame qui allô. Descend, d'accord. Allô. Allô, allô. Ok, elle veut un ticket à 2,70. Alors, je lui donne 2,30 vu qu'elle m'a donné 5 euros. Allez, c'est parti. Enfin, je ne sais même pas si c'est des euros sur ce jeu, ou si c'est l'ancienne monnaie allemande. Là, vous savez, les... je ne sais plus comment ça s'appelle, là, les Deutsch machin, là. Bref, c'est pas grave. Allez, le feu est vert, on a de la chance, on y va. On prend bien le large, hein, vu qu'on a un long bus, je vous le rappelle. Un bus articulé, accordéon. Alors, est-ce qu'on a toujours du retard? Ouais, j'ai 0,6 secondes, enfin, minutes, pardon, de retard. Bon, c'est pas grand-chose, quoi. Ça fait un peu plus de... Ça fait 36 secondes, quoi, en fait. Donc, bon, c'est pas beaucoup. Moi, franchement, si mon bus, dans la vraie vie, il a 36 secondes de retard, je m'en fous, quoi. Honnêtement. Voilà. Allô. Allo, allo, Guten Tag. Ok, oula, un ticket à 9 euros. Ok, alors. Tac, alors je lui rends 1. Ah non, elle m'a donné 15. Non, c'est pas possible. What, y'a eu un bug. Alors attends. Tiens, prends-en un. Non. Alors c'est 6. Ok, je ne sais pas. Bon, tiens, le ticket, voilà. La monnaie après. Ouais, bon, ouais, en fait, il fallait faire le ticket. Et la monnaie. En fait, j'ai dû oublier de prendre la monnaie du passager d'avant parce que j'ai cru qu'elle m'avait donné 15 vu que j'avais une pièce de 50 sous. Bref, voilà. Bon, je voulais quand même vous dire quelque chose aujourd'hui parce que oui, ça fait presque 2 semaines maintenant que je n'ai pas fait de vidéo. Alors pourquoi? Il y a forcément une raison, Ruben, mais bien sûr qu'il y en a. Donc oui, je vais vous expliquer. Alors c'est des raisons totalement bidons, mais bon, il y en a quand même. Alors j'avais un petit peu la flemme de faire des vidéos pour la simple et bonne raison que l'Euro 2016 en France a commencé. Et moi qui adore regarder le foot, vous me connaissez, en fait j'ai regardé presque tous les matchs. Et puis franchement, vu qu'il y avait jusqu'à 3 matchs par jour à 15h, 18h et 21h, j'avais pas trop envie de faire des vidéos. Ça sera un petit peu plus chaud vu que je voulais vraiment regarder tous les matchs. Je me suis dit c'est un petit peu chaud quoi, vraiment faire des vidéos plus regarder tous les matchs, j'aurais pas beaucoup de temps pour moi. Et du coup bah je me suis décidé carrément, bon tant pis je ferai des vidéos dans les prochains jours et puis bon bah jusqu'à aujourd'hui. Du coup oui bah voilà je voulais à tout prix voir les matchs hein, donc m'en voulez pas. D'ailleurs bon je sais pas si vous regardez l'Euro mais bon vous pouvez toujours me dire dans les commentaires si vous regardez ou pas. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui détestent le foot hein. Ce que je comprends, hein, écoutez, c'est chacun son opinion. D'autres qui adorent comme moi. Enfin bon, moi, j'aime pas faire du foot parce que moi, je suis une catastrophe. Vous voyez, je suis un noob et puis voilà. Mais sinon, j'aime bien regarder et supporter mes équipes favorites. Et puis voilà quoi. Donc, si vous aimez l'Euro, vous pouvez toujours me partager vos équipes, vos équipes favorites, pardon, dans les commentaires. Écoutez. Voilà, on est là pour partager nos opinions, écoutez. Ok, lui aussi. Ah, une Farcart, bit. Voilà. Donc, ah, une Farcart, bit, ça veut dire... un ticket de bus, s'il vous plaît. Voilà. C'est pas compliqué. Ça, je l'ai appris en cours. D'ailleurs, j'ai encore le problème de volant. Voilà, c'est bon. Oui, il y a toujours, à chaque fois que je touche un tout petit peu le trottoir, j'ai toujours mon volant qui... Enfin, le retour de force qui bug et il reste coincé dans un côté. C'est un peu chiant.
Donc ouais, justement, bah là en parlant de l'allemand, c'est quand même cool quoi. J'ai pu apprendre quand même l'allemand, donc bon, c'est pas la meilleure langue à apprendre, mais c'est vrai que pour moi, elle me sera assez utile, sachant que en Suisse, on parle beaucoup l'allemand, enfin le suisse-allemand surtout, mais bon, ça reste deux langues similaires, mais ayant pas du tout le même accent. Puis bon, bah voilà quoi. Moi, je trouve, je suis quand même content d'avoir appris l'allemand. Puis bon, maintenant, bah le collège pour moi c'est fini quoi. Enfin, il y a encore la semaine prochaine là, la semaine d'après c'est fini quoi. Je crois que c'est le 1er juillet, le vendredi 1er juillet. Le collège c'est fini pour moi. Voilà. Donc j'ai fait en tout 12 ans d'école obligatoire. Je sais pas en France combien vous avez, mais voilà, moi c'est 12 ans chez moi. Enfin non, moi c'est 11 ans à la base, mais c'est juste que j'ai redoublé une année. Et du coup, bah ça me fait 12 ans. Voilà. Bref, donc bon, comme vous avez pu le remarquer, j'ai pas trop de sujets aujourd'hui. Enfin oui, j'en ai des sujets, mais que vous m'avez demandé. Bon, je préfère garder les sujets pour les jeux de camion comme ATS et ETS2. J'aborde pas trop de sujets sur MC2. On est plutôt là pour conduire, pour être concentré. D'ailleurs, j'ai une minute d'avance, je vais juste te remarquer. D'accord, bon, bah j'ai rattrapé mon retard, tant mieux. Donc voilà, je parle de tout et n'importe quoi qui m'arrive dans ma vie, tout simplement. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit justement, bah mon absence est due à l'euro. Enfin bon, j'aurais pu très bien rater quelques matchs évidemment, puis faire des vidéos à la place, ça c'est vrai. Donc bon, je n'ose pas dire que je n'ai pas eu le temps de faire des vidéos, parce que ça c'est pas vrai quoi. J'ai largement eu le temps, très clairement. Mais voilà, c'est tout simplement que je voulais pas rater mes matchs. Alors voilà, je me suis dit, voilà, je fais pas de vidéo. Par contre, je sais pas ce que je fais là. Je vais devoir reculer. Putain, quel con. Ah génial, maintenant c'est l'articulation qui est trop pliée. C'est bon. Attention, ça passe, oui, ça passe. Ça passe, nickel. Allez, je sais même pas si j'ai les collisions avec les voitures. Des fois elles se désactivent, des fois elles sont là, je sais pas. Bref, peu importe. Donc aussi, bon, c'est pas que dû à l'euro que j'ai pas trop fait de vidéos. C'est aussi, justement, comme je vous ai dit avant, je suis un petit peu malade en ce moment. Rien de grave, je vous rassure. C'est juste le rhume des foins, quoi. J'ai le nez qui coule, les yeux qui pleurent. Encore un billet, d'accord. Et puis, ouais, j'ai les bouchées, je dois tout le temps me moucher. Et puis, voilà, quoi, c'est super chiant. Et puis, en même temps, ça m'a aussi démotivé à faire des vidéos. Je me suis dit, ouais, il y a eu des jours vraiment où j'étais vraiment pas assez bien pour faire des vidéos. Là, aujourd'hui, ça va un peu mieux par rapport à hier, par exemple. Mais, voilà, c'est assez limite. Parce que, voilà, j'évite en fait de faire des vidéos lorsque j'ai le rhume des foins, parce que... Parce que, en fait, voilà, j'aurais pas mouché en plein milieu d'une vidéo. Enfin, j'ai aussi la flemme de faire des coupures, quoi. Si je dois me moucher 50 fois, parce que, sérieusement, des fois, il y a eu des jours où je me suis mouché, je sais pas, en 1 heure, je peux me moucher bien. Oh putain, mais pourquoi il n'y a pas l'arrêt qui est inscrit? Ok, bon. Il n'y a pas les arrêts qui sont inscrits? Mais oui, ils sont inscrits normalement. Bon, tant pis. Il y a eu un bug alors. Donc, bref, je disais. Je disais, pardon, voilà. Alors, encore un billet. Donc, je disais justement, vu que j'ai le rhume des foins, bah, il y a eu des jours justement où je me mouchais, je m'éternuais plusieurs fois par toutes les demi-heures. Voilà, une demi-heure, c'est environ le temps d'une vidéo que je fais moi. Et puis, franchement, j'avais pas envie de faire plein de coupures ou alors de couper mon micro juste le temps que je fasse ça. Enfin, j'aime bien faire mes vidéos dans de bonnes conditions, quoi, pas à moitié seulement et puis être catastrophique, quoi. C'est vrai que voilà. J'aime bien quand je suis sûr que c'est bon. Là aujourd'hui, bon, c'est pas garanti à 100%, mais je pense que c'est bon. Je devrais tenir. Si j'éternue, bah au pire des cas, tant pis quoi. Mais bon, après, je suppose que je suis pas le seul, hein. C'est vrai que là, voilà, bah, on arrive dans la période où maintenant, bah, toutes les plantes sont ont repoussé, hein. Du coup, bah, forcément, bah, le rhume des foins, il y en a beaucoup qui l'ont. Après, je sais pas, ça dépend aussi des régions, ça dépend aussi des plantes qu'il y a dans les régions. En tout cas, moi, chez moi, c'est une catastrophe, je vous le dis. Même dans mon collège, je suis pas le seul, je vois ça, même en classe, tu sais, on travaille et tout, enfin, on travaille. Pas tous, hein, mais voilà, mais des fois, voilà, on t'entend tout le temps des gens qui vont se moucher, tout ça, éternuer, c'est super chiant, quoi. Mais bon, on n'y peut rien, écoutez. Alors, j'ai, oula, 6 secondes d'avance, allez, enfonce, enfonce. Je suis pas si en avance que ça, donc on y va, on perd pas trop de temps. Donc, du coup, voilà.
Je pense que j'ai tout dit pour le rhume des foins. Mais bon, de toute façon, voilà, j'espère pas que vous m'en voudrez. Mais bon, après, voilà quoi. Aussi, il y avait l'euro, j'ai pas trop envie. Voilà, si je veux pas faire des vidéos et si j'ai un petit peu envie d'avoir du temps pour moi avec l'euro et tout, voilà quoi, je fais pas de vidéo, point final. Hein, j'ai pas envie, j'ai pas envie. J'en fais quand je veux. Lol. Bref, sinon, mis à part ça. Oula, Shkola, c'était écrit sur le sol. Du coup, il y a une école par là. Voilà, pas besoin de savoir parler polonais pour savoir ce que ça veut dire. Hein. C'est tout simple. Par contre, ce matin, non, c'était pas ce matin. Ouais, en début de cet après-midi, parce que là, au moment où je tourne cette vidéo, il est 15h30 environ. Allô? Et en fait, juste avant, il m'est arrivé quelque chose. C'était la première fois que ça m'était arrivé, en fait, sur ma chaîne. En fait, j'ai reçu. Enfin, vous savez, je regarde quand même ma chaîne régulièrement. Voilà, je suis quand même assez actif sur ma chaîne pour voir mes statistiques, mes commentaires aussi pour que je puisse les lire et tout au plus vite possible. Donc voilà, comme d'habitude, j'ai été voir mon. Attendez, on fait la ligne combien déjà? 302, ouais, donc c'est toujours tout droit. Du coup, bah, j'ai été me connecter sur mon compte Google, sur YouTube. Et puis, bah voilà, comme d'hab, je me suis dit la routine, quoi. Je vais regarder mes commentaires et tout. Puis en fait, bah, j'ai été regarder avant. C'était, ouais, je sais plus quelle heure il était, mais bon, c'était il y a quelques heures de maintenant. J'ai été voir, puis je vois un petit 2 sur ma petite cloche là, vous savez où il y a les commentaires. Je vois un petit 2, donc je clique dessus comme d'habitude. Et puis en fait, l'une des notifications des deux, bon, en fait, c'était tout simplement des insultes. Voilà, y a personne qui veut descendre par contre, ouais. Donc, du coup, ouais, je continue mon truc. En fait, j'ai reçu des insultes pas très. Bah, forcément, des insultes, c'est pas très correct. Enfin, clairement, on m'a insulté. Que ce soit moi, ma famille aussi, enfin, voilà, pas mal de trucs comme ça. Ça m'a un peu touché. Voilà, je pense que c'était le but de la personne, de toute façon, hein, vu la maturité de certains. Ça m'a un petit peu touché, honnêtement. Mais bon, après, je me suis dit, voilà, quoi, c'est qu'un rageux, je sais pas ce que je lui ai fait pourtant, hein. Donc bon, je n'ai pas trop réfléchi, voilà. Mon premier réflexe, j'ai supprimé tous les commentaires et je l'ai bloqué. Enfin, le truc en fait, c'est que j'ai reçu plein de commentaires comme ça sur la même vidéo. Donc c'était sur la dernière vidéo, la gamme Euro 6, donc sur Euro Truck Simulator 2, la carrière suivie sur la ProMod. J'ai reçu ces commentaires, bah, je m'étais déjà connecté ce matin en me levant. Ouais, je pense qu'il était vers les 11h comme ça. Oui, je fais une petite grasse matinée. Bref, donc oui, bah, entre. Bah, je pense qu'il était 13h, 14h quand j'ai regardé. Quand j'ai re-regardé une deuxième fois, voir si j'avais des commentaires. Donc, entre-temps, il y avait eu peut-être 2-3 heures, vous voyez. Donc, en 2-3 heures, j'ai eu, je crois, 5-6 commentaires différents, de différentes personnes, ayant des insultes uniquement. Donc, bon, forcément, la première chose que je me suis dit, c'est la même personne. Qui s'est fait plusieurs comptes, puis bah il m'a spammé tout simplement de commentaires méchants. Donc peut-être dans sa tête il s'est dit si j'ai plusieurs comptes, il va pas penser que c'est le même machin. Bah non, c'est forcément le même, ça c'est pas possible autrement quoi. Ou alors c'est une bande de potes qui ont décidé de me spammer chacun avec leur compte. Enfin, ça m'étonnerait parce qu'en fait le nom des comptes c'était soit des lettres complètement mis au hasard, ou soit des trucs genre bon, des insultes, enfin des pseudos avec des mots vulgaires à l'intérieur tout simplement. Donc c'est forcément, je pense, la même personne. Donc voilà quoi. Et puis du coup, j'ai bloqué tous ces comptes. Et fini terminé. Donc voilà, si jamais il y a des rageux qui regardent cette vidéo, bah vous saurez que j'en ai vraiment rien à foutre, quoi. Vous serez banni, point final. Vous pouvez créer je sais pas combien de comptes que vous voulez. Voilà, je les bannirai tous. Moi, j'ai juste à cliquer sur un petit bouton. Il n'y a aucun problème. Puis autre chose aussi, bon, ça après, voilà quoi, il a le droit de pas aimer mes vidéos, hein, voilà, ça après, je suis pas le meilleur en vidéo, ça c'est sûr. Tout le monde a le droit de ne pas aimer, mais au point d'insulter, faut pas aller jusque-là quoi. Ou alors, peut-être même pas qu'il a regardé ma vidéo, peut-être qu'il s'est dit, allez, je vais le faire chier, voilà quoi. Mais voilà, à la limite, si t'aimes pas une personne, tu dis rien, ou alors tu lui dis. Ou alors, ouais, si t'aimes pas la vidéo, bah justement, tu dis, ouais, enfin, limite, tu. Tu dis ouais, j'aime pas trop le concept machin, ou alors tu dis ou alors tu donnes des conseils quoi, tout simplement. Tu donnes des conseils pour s'améliorer, hein, voilà, il faut toujours s'entraider, c'est toujours cool. Mais voilà quoi, au point d'insulter comme ça, en plus, pas qu'une insulte, hein, voilà, j'ai eu plein d'insultes, puis bon bah voilà quoi. Après autre chose, bah ça aussi,
C'était les pouces rouges. Bon, après, moi, je m'en fous un peu des pouces rouges, mais bon, moi, ça me permet de voir votre avis. Donc, bon, globalement, sur ma chaîne, ça a toujours été positif, donc je suis content. Mais j'ai eu en, bah, justement, en quelques heures, comme je vous ai dit avant, il n'y a personne qui veut descendre. Comme je vous ai dit avant, en quelques heures, j'ai reçu, bah, justement, sur cette vidéo-là, la caméra aussi, j'ai reçu 14 pouces rouges. 14 pouces rouges. Attendez, ouais, j'ai 1 minute d'avance, d'accord. Donc 14 pouces rouges en quelques heures, donc forcément c'est forcément la même personne, quoi. Vous êtes d'accord, quand on a des pouces bleus ou des pouces rouges, ça vient à la limite. Le plus fréquemment, ça vient lorsque... Il y a des travaux devant, ok. Ça vient lorsque j'ai... Lorsque je viens juste de sortir la vidéo, hein, souvent c'est comme ça. Puis après, bah sinon ça va régulièrement, quoi. Mais là, bah, tout d'un coup, j'ai reçu tous mes pouces rouges, tous mes commentaires. Donc forcément, c'est les mêmes personnes. Et franchement, voilà, quoi. Moi, je ne comprends pas comment il peut y avoir des gens cons comme ça, quoi. Honnêtement, voilà, je suis désolé pour ce que je dis, hein. Voilà, je suis pas très cool, hein, pour ce genre de choses. Mais voilà, quoi. Autant être vulgaire. Honnêtement, voilà, ces gens sont cons, c'est des rageux, quoi. Honnêtement, c'est... Honnêtement, j'ai même pas réagi quand j'ai vu ça. Je me suis dit, voilà, encore un rageux. Mais franchement, c'est... C'est quand même... Ça me fait du mal pour eux, quoi. Tout simplement, ils ont rien d'autre à faire de leur vie, quoi. C'est dommage. Voilà. Elle en tourne ici, on cède la priorité. Enfin, cède le passage, ouais. Très bien. Donc, bref, voilà, quoi. C'est... Je suis quand même content, globalement, que ça m'arrive... Ça m'est arrivé qu'une fois, en plus d'une année de YouTube. Parce que j'en vois certains, ils se font insulter en masse. Et franchement, c'est assez triste pour les YouTubeurs, quoi. C'est vrai que c'est... On se fait insulter sans raison, comme ça, c'est... Je sais pas, en plus, dites-moi si jamais vous savez ce que j'ai fait de mal, hein, vous pouvez toujours me le dire, mais moi je ne vois pas. Voilà. Après, voilà quoi, je dis ça, mais. Voilà. Bref, c'était la petite anecdote YouTube. Non, après, voilà, hein, comme je vous ai dit avant, je raconte ce qui m'arrive dans ma vie, voilà, il m'arrivait ça juste avant, donc bon, j'ai pensé, allez, je leur dis. Oh, y a une pub. Oh, KFC. Attendez. Est-ce que j'ai de l'avance? Oui, j'ai de l'avance. Alors, on va regarder la pub. Regardez, il y a une pub KFC là-haut. C'est bien ça. KFC Bratzer. Alors, vous savez, bah tiens, on va parler de KFC maintenant. Parce que, en fait, moi, qui habite en Suisse, justement, bah tiens, en parlant de la Suisse, le mec m'avait aussi dit, m'avait insulté, comme quoi la France me roulait dessus. Petit Suisse de merde, il m'avait dit des trucs comme ça aussi. Bref, voilà. Peu importe, on s'en fout. Mais bon, KFC, en fait, justement, il n'y a pas KFC en Suisse. Et ça me fait chier, tu vois. Il n'y a pas KFC en Suisse. Alors, bon, KFC a réputation pour être un fast-food, justement, très bon, genre McDo, comme ça. Sauf que c'est que du poulet, là. Mais franchement, j'ai bien envie de goûter une fois un KFC, purée. J'ai jamais eu pu en goûter, tout simplement, parce que, voilà, quoi, il n'y a pas de KFC dans mon pays, et franchement, ça me fait chier. J'aimerais bien qu'il y en ait, des petits KFC comme ça. Bref, voilà. J'ai jamais pu goûter, donc bon, cet été, je vais en France, je vais peut-être essayer d'aller dans un KFC et goûter. Je pense, après, bon, moi, j'aime bien le poulet, donc du coup, je pense que je pourrais que aimer. Après, voilà. Bref, je crois qu'on... Ouais, on est déjà au terminus. Bah, dis donc, c'est déjà fini. Voilà. Très bien. Bah, voilà, on a fini. Donc, là, j'ai la page avec les horaires. Donc, on a été OK. Je suis arrivé avec 47 secondes d'avance. Donc, écoutez, c'est tant mieux. C'est très bien. Écoutez, je suis fier de ce que j'ai fait, là. J'ai fait une bonne petite ligne. Voilà, donc, bon, c'est un bus vraiment sympa. Donc, évidemment, pour cette map... Alors, vous avez pu voir la map. Vous avez pu un petit peu voir à quoi elle ressemblait. Du coup, vous avez peut-être votre propre avis, évidemment. Bah, le lien de la map, je la mets dans la description. Donc, bon, je remercie évidemment l'abonné qui m'a proposé la map, l'abonné qui m'a proposé le pack de bus. Parce que, aussi, je pense que je vais encore refaire une vidéo sur bah, justement cette map, pardon, ça c'est sûr. Mais sur le bus, je vais pas faire sur le même bus, mais sur un autre bus de ce pack de bus. Parce qu'en fait, là, c'est un gros pack de bus avec plein de Solaris dedans. Il y a des 04, des 05, des 06, des petits modèles, des gros modèles. Donc, bon, là, j'ai pris le tout dernier que j'avais vu. Donc c'est un Euro 6, le plus gros de tous. Donc voilà, vraiment il est sympa, ils sont bien réalisés, on a pu le voir à l'intérieur, voilà, il n'y a aucun problème, vous voyez. On peut même... Oula, par contre, il y a des gens qui veulent sortir, on dirait. Ah voilà, j'avais pas... Ok, bref. Vous voyez aussi l'intérieur, il y a quand même plein de choses, voilà, le chauffage, enfin comme tous les bus, mais vraiment c'est bien réalisé. Et là on a toutes les interactions, voilà, je vous présente vite le bus avant de finir la vidéo quand même, parce que je trouve que c'est quand même un bon mode. Là on a toutes les portes, voilà, porte 1, porte 2, porte 3, porte 4, c'est plutôt bien. Là on a une petite sonnette, je sais pas à quoi ça sert. Voilà, là on a, je sais même pas ce que c'est ça.
Je sais pas. C'est un truc avec les portes. Ouais. Je sais pas du tout. Je m'y connais pas trop, écoutez, donc j'en sais rien. Ça, c'est les portes qui s'ouvrent. Ok. Ça, ah, toutes les portes qui s'ouvrent. D'accord. Ah, c'est pratique, ça. Ça fait un petit raccourci, c'est bien. Auto. Ah, ça, c'est le truc où ouais, l'abaissement hein, du coup du bus pour les passagers. Ça ne veut pas le faire. Bon, dans le jeu de base, on n'a pas, c'est dommage. Donc, du coup, voilà, il y a le bouton, mais on ne peut pas le faire. Ça, je sais pas ce que c'est. Bah, ça, c'est le truc justement pour baisser le bus. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça non plus. Ça, c'est la ventile, je pense. Ça, je sais pas ce que c'est. Bref, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Puis, regardez le compteur, voilà, le tableau de bord a l'air précis aussi. Le bus. Le petit truc là, enfin voilà, c'est plutôt bien. Et puis quand on ouvre les portes, évidemment, bah t'as les portes là qui sont ah bah justement, bah voilà quoi elle sert le bouton là. Attendez, c'était ça, tac. Ouais, parce que là, justement, là j'ai qu'une porte qui s'ouvre. Ah d'accord, bah c'est con. Regardez, putain, merde, comme ça. Puis là, ça s'ouvre les deux. Ah ouais, c'est cool. Ok, donc ouais, c'est ouais, en fait, ça veut tout dire dans le dessin. C'est juste une porte qui se ferme pas. Ok, donc vous voyez là, quand j'ouvre les portes. On voit que c'est foncé, donc c'est plutôt cool. Donc ouais, comme n'importe quel bus, vous allez me dire, mais bon, c'est plutôt sympa quand même de regarder. Ici, ben, on a l'éclairage des feux du véhicule, du coup, l'éclairage à l'intérieur, les feux de détresse. Ça, c'est... Je sais jamais ce que c'est, ça aussi, c'est le chauffage, ou j'en sais rien, bref. Puis là, bah, on a ouais, le truc pour chauffer le bus, justement, le frein de parc ici. Voilà, vous voyez, c'est plutôt sympa. Vitesse qui est bridée, je pense, c'est ça. À 80, et là tout ça, ça c'est aussi ouais, c'est par rapport à la température aussi, je pense. Bref, voilà. Puis là-haut, bah, on a tous les trucs. Bah, ça en fait, c'est le truc du jeu de base, hein, donc pour les horaires, pour mettre les lignes et tout. Donc voilà. Donc vraiment, c'est un bus très bien réalisé. On peut aussi voir à l'intérieur depuis la vue passagère, et vraiment, c'est sympa. Bah, tiens, regardez, il y a des passagers là encore. Bah, je vais ouvrir la porte 3. Voilà, donc vraiment, il est bien réalisé, on peut le voir. Vraiment GG. Donc le pack de bus aussi est évidemment dans la description. On a aussi le truc des billets. Donc ouais. Donc justement pour les pièces, il faut cliquer dessus. Hein. Vous voyez, c'est des pièces comme ça, mais en fait vous en avez à l'infinité. Vous voyez, c'est plutôt cool. Bref, voilà. Donc j'ai fini, je pense, pour la présentation de ce bus qui est vraiment très bien réalisé. J'ai rarement pu essayer des bus comme ça bien fait. Vraiment, c'est bien. Voilà, donc bon, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. La PKM map, évidemment, elle est vraiment très bien aussi. Donc je ferai une autre vidéo dessus, évidemment, avec une autre ligne. Je crois qu'il y a trois lignes sur cette map. Je vais peut-être toutes les faire, ou peut-être une deuxième vidéo uniquement. Je verrai bien. Bref, et puis voilà, donc on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur Home6, justement. Donc je sais pas quand je vais faire une autre vidéo, mais je pense au plus vite, écoutez, parce que là, j'ai vraiment envie de me reprendre sur Home6. Et puis voilà. Donc on se retrouve à la prochaine. Je vous souhaite une bonne route. Et puis voilà, quoi. Portez-vous bien et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!